Au sommaire de ce nouvel épisode, l'emploi face aux nouveaux enjeux du tourisme 2022. Comment valoriser le métier d'agent de voyage? C'est la grande question du moment, alors que la reprise se fait plus forte que prévu. Agences de voyage et tour opérateurs ont toutes les peines du monde à recruter des collaborateurs. Quelles actions faut-il engager pour non seulement favoriser l'attractivité du métier, mais aussi retenir les salariés en place? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Iznik et de ses invités. Bonjour à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM. Nous poursuivons notre cycle d'émissions sur le tourisme. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va aborder les difficultés de recrutement des agences de voyage et des tours opérateurs. Le problème de l'attractivité de ces métiers n'est pas nouveau, mais il s'est clairement accentué avec la crise sanitaire. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Jean-Michel Rey, directeur de l'animation du réseau Selectour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. En face de vous, Jean-Michel, on a aussi le plaisir d'accueillir Thibaut Pulito, chargé des ressources humaines chez FCM. FCM, réseau de voyage d'affaires, purement voyage d'affaires. Purement voyage d'affaires, oui. Hein, c'est ça. Et puis bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Thibault. Et puis en visio, vous la reconnaissez, Valérie Bonnette, secrétaire générale des entreprises du voyage. Bonjour Valérie, est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien, bonjour à tous. Bonjour Valérie. On ne perd pas de temps, on ouvre tout de suite notre première rubrique, le chiffre du jour. Vous le voyez s'afficher à l'écran, 3 millions de postes à pourvoir selon les dernières statistiques de Pôle emploi. 3 millions, c'est évidemment énorme. C'est dire que le sujet concerne aujourd'hui quasiment l'ensemble des secteurs d'activité et pas seulement le tourisme. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'hôtellerie notamment. Il manquerait 316 000 salariés dans l'hôtellerie. Mais Valérie Bonnette, aussi dans notre secteur, des agences de voyage et des tours opérateurs, il y a eu évidemment des licenciements pendant cette crise sanitaire, il y a eu aussi des démissions plus nombreuses que prévu. Est-ce qu'on a, Valérie, d'ailleurs un peu des chiffres, est-ce qu'on a une idée une estimation du nombre de salariés qui ont quitté cette profession? Est-ce qu'on sait un peu? Alors c'est toujours difficile d'avoir des chiffres exacts, mais oui, nous avons plusieurs types de départs, comme tu l'as dit, des licenciements tout au début avec la crise parce qu'il y a eu une crainte vraiment au tout début. Donc là, il y a eu des plans de départ dans les entreprises. Et ensuite, au fur et à mesure que la crise durait avec les vagues successives, eh bien, on a constaté effectivement des départs négociés au début et des départs secs, c'est-à-dire sans avoir trouvé de poste par ailleurs. Et on a l'impression, en fait, on peut dire qu'on est au moins à 20%, au moins à 20% de la masse salariale qui est partie en 2 ans. Allez, 20%, c'est évidemment beaucoup. Je rappelle que cette profession, avant la crise sanitaire, c'était 33 000 collaborateurs. Donc 20% de 33 000, c'est évidemment pas mal. Valérie, ils sont partis où? Est-ce qu'on sait où ils sont partis? Non, alors c'est vraiment la question que tout le monde se pose, parce qu'on parle de notre secteur, mais tous les autres secteurs en tourisme et même en dehors du tourisme ont cette problématique, et la question c'est où et qu'est-ce qu'ils font et comment vivent-ils. Ouais. Donc c'est vrai que traditionnellement dans notre secteur, on a été très attractif, on va dire il y a une vingtaine d'années, puis depuis 10 ans, on a vu quand même baisser le nombre de recrutements et l'attractivité pour plein de raisons. Mmh. Et notamment, ce qu'on a pu constater, c'est que quand il y a eu des plans de départ dans les entreprises, non pas pour crise Covid, mais pour d'autres raisons, majoritairement, les personnes de nos secteurs se tournaient vers l'aide à la personne, ou en tout cas quelque chose de plus humainement prégnant. Mmh. Mais pour ce qui est de la crise Covid et de ce dont on parle aujourd'hui, honnêtement, on est beaucoup trop près de l'événement pour se rendre compte. Certains disent vers d'autres secteurs de services, entre guillemets, assurance, banque, qui ont un petit peu les mêmes besoins de compétences, assez transverses et malgré tout beaucoup de compétences quand on est dans une petite agence et qu'on la dirige par exemple, mais avec les problématiques en moins, c'est-à-dire pas de relation client après les horaires de travail, etc. etc. Voilà. Mais pour le moment, on n'a pas de données fiables, on va faire bien sûr des enquêtes et on pourra faire un point un peu plus tard. Alors on peut imaginer que ces gens-là aussi reviennent peut-être à un moment donné. C'est l'espoir aussi ça des patrons d'agence? Oui, si je peux, juste sur ce point, ce qui est d'abord
ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas forcément ceux qui étaient les plus compétents qui sont restés. Et il y a des gens très bien qui sont restés, mais on a des compétences qui sont vraiment sorties, des compétences importantes. Et quand on se pose la question de savoir s'ils vont revenir, effectivement, quel va être le niveau de compétence ? Parce qu'on voit bien, déjà aujourd'hui, ça c'est vraiment un constat nouveau, j'ai envie de dire, qu'avec la reprise d'activité, on sent qu'il y a une fragilité, ou en tout cas un doute de la part de ceux qui sont encore en poste sur leur capacité à faire face, notamment là, la reprise très forte. Donc, ceux qui sont sortis, qui vont revenir, la vraie question, ça va être comment on les remet à niveau et comment les compétences vont être renforcées. Mais indéniablement, il y aura un pourcentage de ceux qui sont partis qui vont revenir, on le pense vraiment, quand ils auront peut-être vu ailleurs. Jean-Michel Rey, Valérie vient de nous dire qu'il manquait à peu près 20% de salariés dans cette profession. Je crois que ce sont des chiffres à peu près identiques à ceux de Selectour, d'ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que le rapport de force s'est totalement inversé aujourd'hui. Certains professionnels rapportent que maintenant, ce sont les candidats qui posent les questions pendant l'entretien d'embauche. Et puis, il y a même d'autres professionnels qui rapportent que les candidats ne se déplacent même plus pour les entretiens d'embauche. Vous vivez ça au quotidien ? Les adhérents le vivent, en tous les cas, effectivement, oui. Alors, Selectour n'intervient pas dans le domaine des ressources humaines auprès de ses adhérents, mais on écoute leurs témoignages. Et effectivement, ils corroborent précisément ce que vous annoncez, c'est-à-dire effectivement une forme d'inversion des rôles. Aujourd'hui, parmi les questions qui sont préalablement posées lors de l'entretien à l'embauche, on traite immédiatement des questions à caractère avantages sociaux, quoi, par exemple. Ouais, systématiquement. Jean-Michel, cette pénurie, évidemment, de personnel arrive un peu au plus mauvais moment. Hein, c'est celui d'une forte reprise qu'on connaît aujourd'hui, alors que par ailleurs, c'était peut-être le bon moment pour les agences aussi physiques de récupérer les déçus d'Internet. Donc ça ne tombe pas au meilleur moment, ça. C'est assez fondé, oui. Très clairement, on a une fenêtre de tir colossale aujourd'hui, dans la mesure où l'opportunité s'offre aux agences d'OH de démontrer qu'elles ont une véritable valeur ajoutée. Et forcément, cette valeur ajoutée, elle est plus compliquée à démontrer dès lors que les ressources ne sont pas effectivement suffisantes pour faire face, entre guillemets, à une reprise qui est bien plus dynamique qu'on avait escompté. Mais à la limite, ne faut-il pas préférer ce contexte-là plutôt que le contexte plombé d'APLD qu'on a connu il y a quelques mois en arrière, quoi. Oui, voilà. Bien sûr. Je pense que la question ne se pose même pas. Thibaut Pulito, je rappelle que vous êtes responsable du recrutement chez FCM, spécialisé dans le voyage d'affaires. Aujourd'hui, quand vous publiez une annonce, Thibaut, vous avez très peu de retours de candidats. Alors, ça va dépendre des postes, bien évidemment. Hein, je ne peux pas faire une généralité sur certains postes avec des niveaux de compétences un peu plus élevées, je pense notamment à l'account management, à l'implémentation, qui sont des postes clés hein, pour nous. On va avoir peu de candidatures, c'est vrai, sur des métiers de conseiller voyage d'affaires, qui restent notre cœur de métier. Je ne trouve pas qu'on va avoir une pénurie de candidatures. Maintenant, j'ai remarqué exactement les effets dont vous parliez juste à l'instant avec Jean-Michel. Notamment, on a eu une très forte augmentation de no-show, c'est-à-dire de gens qui ne se présentent pas à l'entretien. Oui. Donc, c'est des choses qui ont augmenté très fortement depuis le retour après la Covid. On a aussi, bien évidemment, beaucoup plus de questions. La question du télétravail aussi devient essentielle pour les salariés aujourd'hui, quelque chose qui n'était pas du tout le cas quand moi j'ai commencé à travailler dans le recrutement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, sur des métiers, pour résumer ma réponse, sur des métiers de conseiller voyage d'affaires, on va encore avoir un bon nombre de candidats, mais est-ce que ce seront les bons ? Ça reste à démontrer. C'est vrai qu'on a un taux de validation de candidats qui, pour le nombre de CV, n'est pas très très haut aujourd'hui. Donc oui, c'est des problématiques sur lesquelles on fait face et je vous rejoins complètement sur les premiers éléments que vous aviez avancés. Vous disiez beaucoup de questions de la part des candidats. Le tourisme et le voyage d'affaires, Thibault, sont montrés du doigt pour leur impact sur le réchauffement climatique. Est-ce que ça joue, ça, auprès des jeunes générations, des jeunes candidats ou pas ? Alors, sur les jeunes candidats, bien évidemment. Ouais, ouais. En ce moment, en plus, on a l'occasion de recruter des jeunes qui sortent de BTS, qui ont bien évidemment ces questions à cœur. Chez FCM, on travaille, je pense, comme la majorité des acteurs du secteur, on travaille pour les rassurer aussi et montrer qu'on est conscient de cette question-là, pour nos clients aussi. Donc, c'est des choses sur lesquelles on répond. Mais oui, c'est des questions qui reviennent, notamment sur les jeunes populations. Maintenant, on essaie de leur montrer qu'on fait pas mal de choses et je tiens à dire que
Par exemple, comme élément de réponse, on a eu l'occasion de créer le comité RSE, etc. chez FCM. Donc on essaye un petit peu de répondre à ces problématiques-là par des actions. Mais oui, vous avez raison, c'est des choses qui reviennent, qui revenaient moins avant. Oui. Valérie Bonnette parlait de 20% des salariés qui manquaient dans cette profession. C'est à peu près aussi votre niveau aujourd'hui chez FCM. Il manque 15-20% de personnel. C'est sûr. Alors, je vais être un petit peu comme Valérie. Je vais pas lancer un chiffre exact, mais oui, on a des très, très, très forts besoins en recrutement aujourd'hui. Et on met plein d'actions en place et on aura l'occasion d'en parler, mais je pense qu'on partage tous le même constat autour de la table. Il manque du monde, en effet. Ouais, justement, on va parler des actions que vous mettez en place, ces fameux leviers pour essayer de rendre plus attractif ce métier. C'est notre deuxième rubrique, la phrase du jour. Alors, vous la voyez s'afficher à l'écran. Quand j'entends parler de pénurie de personnel, ça me fait rire. Il faut payer les gens à leur juste valeur. Voilà ce que déclarait il y a quelques jours Nasser Bouguera dans les colonnes de Tourmag. Nasser Bouguera, je ne connais pas cette personne, mais c'est l'ex-directeur des clubs FTI Voyage. Valérie Bonnette, je sais ce que vous allez me dire, Valérie. Vous allez me dire, le salaire n'est pas tout, certes, mais c'est quand même évidemment un paramètre essentiel, surtout en cette période d'inflation galopante. Depuis des années, sinon des décennies, Valérie, on répète que ces métiers sont mal rémunérés. Même le secteur de l'hôtellerie s'est résolu à faire des efforts en négociant des augmentations de salaire substantielles. Valérie, il va bien falloir en passer par là aussi, dans les agences. Oui, bien sûr. Donc, j'allais pas vous dire que c'était pas un élément essentiel. C'est un élément essentiel. Ce dont je peux vous parler, alors, il y a la politique salariale des entreprises de notre secteur et puis il y a la politique de la branche. Donc, moi, comme vous le savez, c'est au sein des entreprises du voyage que se négocient les minima, ce qu'on appelle les minima de branche pour l'ensemble des collaborateurs de notre secteur de la convention collective. Donc, oui, on a un sujet salaire, mais c'est pas juste nouveau, mais c'est un sujet important. Sur les minima, nous avons fait des réévaluations de la grille cette année au 1er janvier, mais comme vous le savez tous, le SMIC a augmenté 3 fois en un an. Et effectivement, le constat aujourd'hui, si on parle d'attractivité, c'est que évidemment, on n'est absolument plus attractif avec ces minima, parce que les deux premiers groupes de cette grille, donc les deux premiers groupes d'entrée, sont passés au-dessous du niveau du SMIC. Bien sûr, on ne paye pas quelqu'un en dessous du SMIC, mais en termes d'attractivité, d'image, c'est juste impossible de continuer. Donc, on est en train de renégocier. Effectivement, la rémunération est un enjeu très important de l'attractivité et une rémunération qui soit, même si on parle de niveau de branche, assez souple et assez dynamique par rapport à l'évolution du contexte. Donc, un, l'augmentation du SMIC, deux, l'augmentation du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat. On est absolument conscient de ça, surtout dans cette période d'extrême tension dans le recrutement. Donc, nous avons ouvert, pour être très concret, nous avons ouvert le 28 juin dernier, donc la semaine dernière, la négociation avec les partenaires sociaux de la réévaluation de ces éléments de salaire, encore une fois on parle de minima, mais qui ont un impact pour les entreprises, évidemment, parce que, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais la prime d'ancienneté est calculée sur ces minima, donc quand on bouge un minima, la prime d'ancienneté aussi vient augmentée, donc il faut avoir dans notre démarche, une négociation qui puisse aboutir, on espère, début septembre, sur un plus en termes de message, en termes de réalité de rémunération, acceptable pour les entreprises, c'est-à-dire avec les moyens qu'elles ont, et en même temps assez attractif pour que dans l'attractivité, cet élément-là, en tout cas, ne soit pas perçu comme repoussoir, ce qui est quand même un peu le cas, parce qu'on a un niveau de compétence, c'est vrai que chez nous, par rapport à l'hôtellerie ou à la restauration, on a un niveau d'entrée quand même au moins un bac plus 2, si ce n'est un bac plus 3, avec des salaires qui sont assez bas en termes de minima, encore une fois. Et juste pour le point de l'attractivité, quand on parle d'attractivité, on parle d'attractivité du secteur, en général, du tourisme et des agents de voyage, et ensuite de l'attractivité des métiers. Et il y a vraiment
beaucoup de leviers sur les deux volets. On va y revenir à ça. Jean-Michel Rey, on a parlé des minima de rémunération, rémunération fixe, mais il y a aussi toute la rémunération variable, des plans de rémunération attractifs avec des parts variables motivantes. C'est si compliqué que ça à mettre en place dans les agences. Ça fait pourtant des années qu'on en entend parler et finalement, ça n'aboutit pas. Là aussi, il y a des efforts à faire. Parler d'une seule voix, en fait, sur ce type de sujet, quand on représente un réseau d'indépendants, c'est compliqué parce que, évidemment, les conditions de travail chez nos adhérents ne sont pas homogènes. Il y a des centaines de métiers chez Selectour en même temps, hein, des métiers de la vente jusque les métiers du voyage d'affaires dont on citait quelques exemples tout à l'heure. Donc, effectivement, pour le coup, il n'est pas facile d'avoir une réponse unique sur ce type de préoccupation. Je rejoins Valérie quand elle dit que le salaire est une composante importante, mais l'attractivité aussi passe par d'autres leviers. On parlait effectivement tout à l'heure des conditions sociales également. Voilà. Encore une fois, on n'a pas la prétention d'être homogène sur ces sujets-là, mais c'est incontestablement des sujets sur lesquels il faut qu'on accentue notre réflexion et qu'on essaye effectivement d'accompagner une évolution chez nos adhérents. Oui, ouais, clairement. Thibaut Pulito, est-ce qu'avec cette pénurie de personnel, vous abordez, vous, autrement la question de la rémunération ou pas? Est-ce que vous avez augmenté vos rémunérations ou pas? Alors, ça tombe bien. C'est vrai qu'à chez FCM, on n'a pas échappé à la question. On a revu notre grille salariale. Moi, je rejoins 100% ce qu'a dit Valérie. C'est des métiers qui rentrent aujourd'hui Bac plus 2, Bac plus 3. Et on a même des candidats qui vont aller jusqu'au Bac plus 5 avec des masters. Donc, c'est vrai que c'est des niveaux de rémunération qui doivent correspondre aussi au niveau d'études et d'implication de ces nouveaux candidats. Donc, on a revu notre politique salariale. Mais je rejoins aussi ce qui est dit, c'est une composante de l'attractivité. Je pense qu'il y a d'autres leviers à soulever et sur des pistes de réflexion à avoir que le salaire. Mais bien évidemment, on n'a pas échappé à la question, donc on y a pensé aussi et on y a apporté une réponse concrète assez rapidement. Mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui revient et on parlait des questions qui arrivent. Alors, celle-là, elle n'est pas nouvelle. Hein. J'ai toujours demandé la rémunération que j'allais avoir pour un métier. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui ressort aussi un peu plus. Donc on a essayé, comme on pouvait, d'y répondre tout en restant cohérent par rapport à ce qui se fait sur le marché. Oui, parce que c'est un métier qui exige maintenant, aujourd'hui, beaucoup de compétences. Hein. Il y a des compétences techniques, maîtriser les GDS, il faut maîtriser toutes sortes d'autres outils, il faut maîtriser, on l'a vu, les situations sanitaires des pays, être capable de renseigner le client. Enfin, ça demande beaucoup de compétences. Les évolutions technologiques qu'il faut suivre, c'est vrai que voilà. Ouais. Donc il faut forcément des rémunérations à la hauteur. C'est ça, la maîtrise GDS, je pense que c'est très intéressant d'en parler. Alors, moi, je ne connais en tout cas pour le coup que FCM, mais je pense que c'est dans beaucoup d'autres agences là pareil. Le GDS, c'est technique. Hein. C'est des choses. C'est d'expertise, effectivement. C'est une vraie expertise technique. Hein. Maîtriser aujourd'hui, être capable de maîtriser tout type de transport, d'hébergement, etc. sur GDS. Bon, alors je prends Amadeus, mais je pourrais citer Galileo ou Sabre, etc. C'est très technique. Donc, c'est une vraie compétence, plus la compétence. Service client, accompagnement, etc. Donc vraiment, c'est des métiers qui sont très complets. C'est sûr qu'il faut y répondre avec une rémunération cohérente. Alors vous le disiez, l'attractivité d'un métier, c'est le salaire bien sûr, mais pas seulement. On va ouvrir notre troisième rubrique, la question du jour. La question du jour, elle est simple. Hein. À part le salaire, quels autres leviers peut-on actionner pour valoriser le métier d'agent de voyage? Valérie Bonnet, on va parler de formation avec Jean-Michel et Thibault, mais quelles sont aujourd'hui, Valérie, les pistes de réflexion qui existent pour essayer de développer l'attractivité du secteur et du métier d'agent de voyage, en dehors du salaire, bien sûr? Si on parle d'attractivité, évidemment, on parle à un moment de communication et de la façon dont on parle des métiers, mais on ne va pas communiquer sur rien. Donc la réalité, c'est qu'il faut développer d'autres leviers qui font partie de l'attrait ou en tout cas qui apportent une valeur ajoutée aux collaborateurs. Donc au niveau de la branche, on vient d'ouvrir en même temps que la NAO des chantiers de négociation sur l'intéressement, la participation, les conditions de travail, la qualité de vie au travail, le télétravail, l'égalité homme-femme, etc. C'est-à-dire un paquet entre guillemets
de leviers qui sont soit partie prenante de la rémunération finale et qui vont quelque part intéresser le collaborateur, le salarié, bah, à la vie de l'entreprise, à son évolution, à son dynamisme économique et à son rendement. Mmh. Et puis, donc ça, c'est plutôt l'intéressement, la participation. Ça existe dans certaines entreprises. Ça demande des accords au niveau des entreprises que l'on fait au niveau de la branche en ouvrant ces négociations. C'est que nous allons essayer d'aboutir à un accord qui permettra aux petites, vous savez, 90% de nos entreprises ont moins de 10 salariés, ne sont pas forcément équipées pour aller sur ces dispositifs un peu sophistiqués, qui sont tout à fait faisables, mais un peu sophistiqués. Et ça permettra, un peu comme pour la PLD, ce qu'on a fait, c'est-à-dire avec un document unique, de faire une mise en place et d'être déployé beaucoup plus facilement dans les entreprises si on signe au niveau de la branche. Donc ça, c'est vraiment deux axes très importants, l'intéressement, la participation. On est en cours de négociation. Ensuite, évidemment, l'image et la communication et la réalité de ce que recouvrent les métiers et les professions. Je ne sais pas si ça va faire l'objet d'une autre question après, mais en tout cas, ça, c'est important. Et puis, le fait de joindre un peu les destins du salarié et de l'entreprise, ça va tout à fait, ça paraît logique, hein, mais si les intérêts sont communs, eh bien évidemment, on y arrive plus facilement. Moi, je reviens sur l'histoire des rémunérations et de leur niveau. Je pense que ça interroge également le modèle économique des agences, parce que c'est pas pour le plaisir que les collaborateurs sont pas hyper bien payés. Donc, ça interroge effectivement le fait de dire quel est mon modèle, et ça, c'est l'entrepreneur qui peut le faire. Là où je gagne de l'argent et là où je n'en gagne pas, ça paraît simple, mais parfois on fait beaucoup de choses qui ne rapportent pas. Et donc voir où on a une chaîne de valeur qui est intéressante et où il y a un relais de croissance et où toute la chaîne peut en bénéficier. Aujourd'hui, Valérie, selon vous, les marges des agences de voyage interdisent justement d'augmenter plus fortement les salaires ? Alors, je ne dis pas que c'est interdit, mais je dis honnêtement, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des marges tellement faibles, et là, je ne veux pas botter en touche, mais avec le remboursement des PGE, c'est un autre combat hein, de pouvoir l'étaler, sinon on a vraiment très peu d'air dans les 4 années qui viennent. Eh bien oui, ça a ouvert en tout cas la possibilité d'avoir, même si on a la volonté, de le mettre en place. Ouais. Donc, il faut en même temps intéresser, on en parlait tout à l'heure, hein, c'était votre question à Jean-Michel, la part variable, et là, ce n'est pas l'intéressement ni la participation, mais c'est comment on est concrètement intéressé aux chiffres qu'on dégage tout de suite, ou personnellement, ou dans l'entreprise. Ça, ce sont des choses qui peuvent aussi inciter les collaborateurs à être plus agressifs, on va dire, ou en tout cas, comment l'être. Ben, on va peut-être parler de formation, et là aussi, il y a un intérêt à se pencher sur le sujet. Oui, totalement. Bah justement, Jean-Michel Rey, chez Selectour, vous avez fait le pari de l'apprentissage avec la fameuse Selectour Academy. On rappelle très brièvement le principe de cette Selectour Academy. Alors, le principe, en fait, c'est de former la relève, tout simplement. Le projet, il a vu le jour il y a déjà plusieurs mois. Alors, les premières classes ont vu le jour elles-mêmes en novembre 2021. Mais en réalité, on n'avait pas attendu que se profile la sortie de crise pour anticiper ses besoins. Et on avait travaillé très en amont, effectivement, sur la mise en place de cette académie. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a réussi en 3 mois, en fait, à peine, à construire 3 classes hein, qui sont aujourd'hui des classes présentielles, puisqu'il convient de préciser. Hein, il fut un temps où parler de classe ou de réunion présentielle, c'était commettre un pléonasme. Aujourd'hui, on se sent un petit peu tenu de le préciser. Donc, 3 classes présentielles qui comptent 34 élèves et qui sont situées respectivement à Paris, à Lyon, à Nantes. Uh-huh. 34 élèves au regard de 4000 personnes dans le réseau Selectour, ça peut paraître très modeste, mais encore une fois, nous ne disposons que de 3 mois pour constituer ces classes. Uh-huh. Elles ont répondu à des besoins effectivement immédiats exprimés par des adhérents. Et ces jeunes gens reçoivent des formations mixtes affaires et tourisme, en fait, affaires et loisirs. La formation dure 1 an. Le soutien pédagogique nous est assuré par l'EPT. Donc, on a une formation clé en main qu'on personnalise, en fait, soit par nos propres interventions, qui vise à, en fait, conforter le sentiment d'appartenance au réseau Selectour et qui permettent effectivement d'accélérer l'intégration, en fait, de ces collaborateurs dans le réseau. Et la personnalisation, elle passe aussi parfois par quelques partenaires qui interviennent et qui viennent effectivement passer des messages. Donc la formation dure 1 an, elle est sanctionnée d'un diplôme d'État, en fait, hein, qui est un diplôme
comme on le dit, RNCP, hein, qui appartient au régime national du contenu pédagogique. Il équivaut à un bac plus 2 et l'intitulé, effectivement, de la formation, c'est vendeur conseil en voyage d'affaires et de tourisme. Voilà. Alors, avec un risque, évidemment, c'est qu'il quitte le réseau Selectour. Hein. Ça, c'est le risque que vous prenez, forcément. C'est un pari. C'est un pari, effectivement, dans la mesure où ni l'étudiant, enfin, ni l'apprenti, ni l'employeur ne sont tenus au terme du contrat d'apprentissage de le prolonger par un CDD ou par un CDI. Voilà. En tout cas, le bilan que vous en faites aujourd'hui, après quasiment 8 mois de fonctionnement, c'est un bilan plutôt positif ? Le bilan, je dirais qu'il se résumerait à un soulagement. La vocation existe encore. Et franchement, ça fait plaisir à constater. Ces jeunes gens qui ont entre 19 et 27 ans, en fait, témoignent effectivement au quotidien et dans leurs entreprises respectives et en classe, en fait, d'un dynamisme, d'un enthousiasme qui fait plaisir à voir, franchement. Oui, donc la relève est là. Une deuxième promotion bientôt. Là, vous aviez eu 34 élèves. On la prépare pour le 17 octobre. Ouais. On a à peu près 60 demandes actuellement. Alors, la répartition des rôles, elle est la suivante. Chez Selectour, on source les employeurs, en fait. Nos candidats, nous, c'est les employeurs, en réalité. Et l'EPT se charge du recrutement des apprentis. Eux, ils détiennent effectivement la science des canaux de recrutement que nous n'avons pas forcément. Ils ont les accords qui s'imposent avec les pôles emploi, les antennes locales. Mais on leur impose un cahier des charges en fait, un petit peu différent de celui qu'ils ont l'habitude d'endosser habituellement. C'est qu'ils vont parfois chercher des candidats à Tours, à Granville, en Normandie, qui sont effectivement un peu à l'extérieur des bassins d'emploi. Ils ont l'habitude de prospecter. Oui. Donc ça, c'est un vrai avantage. Thibaut Pulito, vous faites un pari identique, hein, je crois, chez FCM, hein, avec un paramètre peut-être un peu supplémentaire, c'est qu'en France, il n'y a pas franchement de formation au voyage d'affaires hein, pour les conseillers d'agence, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, exactement? Alors, je fais complètement écho à ce que vient de dire Jean-Michel. Je vais essayer de dire la même chose sans répéter exactement pareil. On a fait le même constat et on est parti sur quelque chose de très similaire. Alors, nous, pas avec l'EPT, mais on l'a fait avec le FHT, qui est une école de tourisme à Paris. Alors, je suis impressionné de 34 élèves par classe. Pour l'instant, nous, on va lancer ça... Au total. Parce que sinon, c'était ça faisait très, très impressionnant. Vous êtes à combien ? Nous, on est à 15. On va lancer ça en août. Donc, la classe, comme on sera en août, on est en plein recrutement de nos alternants. J'étais en entretien ce matin avec certains d'eux. Je rejoins aussi Jean-Michel sur l'enthousiasme, ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est la jeunesse, mais ils sont hyper enthousiastes, hyper dynamiques. Ils ont vraiment envie de travailler dans ces métiers-là. Donc, c'est hyper réconfortant pour quelqu'un comme moi qui travaille dans le recrutement d'avoir ce type de retour-là. Donc, nous, ça va être une classe de 15 personnes. On travaille avec la pédagogie de l'EFHT, donc leur responsable pédagogique, pour former un programme un petit peu tout en respectant, bien sûr, des bases, puisque c'est aussi un diplôme qui sera reconnu par l'État. Ça sera un bachelor, donc bac plus 3. Un an d'alternance, donc tous en alternance chez nous sur des postes de conseiller voyage d'affaires. Donc vraiment une classe spécialisée FCM au sein de l'EFHT. D'autres entreprises le faisaient déjà. Je pense notamment à TUI qui travaillait aussi avec l'EFHT sous ce même format. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il manquait, et c'est pour ça que je trouve que ce que a fait Selectour est aussi très intéressant, qu'il manquait ce côté voyage d'affaires. Très souvent, les élèves ont des BTS très tournés loisirs. Et donc, c'est intéressant de les plonger dès le bachelor dans le voyage d'affaires. Donc, on va avoir des intervenants d'FCM qui vont venir donner des cours aux élèves, en plus des équipes pédagogiques en place. Tout le mois d'août, et on parlait de la technicité GDS, bien évidemment. Nous, tout le mois d'août, on réquisitionne l'école et on leur fait, donc avec des formatrices à nous, des cours sur Amadeus pour qu'ils arrivent en septembre prêts à prendre les postes. Donc, projet ultra excitant, ultra intéressant, et je trouve ça très très bien qu'il y ait d'autres organismes, d'autres idées, etc. Et voilà, donc... S'il manque de candidats, autant former la relève, autant en injecter des nouveaux de partout, donc c'est hyper cool. Exactement, et comme le disait Jean-Michel, c'est vrai que ça permet d'attacher finalement les candidats à la culture, alors soit du réseau Selectour, soit de FCM, et ça c'est important parce qu'on sent en effet, c'est les retours qu'on a, les jeunes candidats ont besoin de sens dans ce qu'ils font aujourd'hui, et c'est peut-être justement à ces occasions-là, dans ces formations-là, qu'on peut donner du sens au métier. Ouais, bien évidemment, je pense que la quête de sens,
Alors, elle ne vient pas que des jeunes candidats. Hein. Je pense que c'est généralisé, ouais, c'est tous vrai, les métiers, la Covid, a fait réfléchir beaucoup de gens sur leur métier, le sens qu'ils y mettaient. Donc, je ne pense pas que ça soit que sur les jeunes que ça se concentre, mais bien évidemment, ils n'échappent pas. Oui, ça permet de les formater, dans le bon sens du terme, à ce qu'on essaie de faire, aux valeurs de l'entreprise. Et puis, comme chez Selectour, c'est des classes. Hein. Donc, en fait, ils sont tout le temps ensemble. Ils évoluent, ils apprennent ensemble. Il y a une sorte d'échange qui se fait aussi comme ça. Donc, je pense que c'est des projets qui sont hyper positifs pour le secteur. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont se mettre en place, puisque c'est vrai que 34 plus 15... pour combler 20%. Ouais, mais c'est un début. On part, c'est un début. Ça va être pour l'instant un peu short, c'est mais j'espère qu'ils seront très bons. Après, c'est ce que vous avez dit aussi, c'est un risque. Ils vont faire leur alternance, on va investir, nous, personnellement, énormément de temps, énormément de ressources pour former. Est-ce qu'ils resteront chez FCM à la fin de Ils peuvent partir chez vos concurrents. On a exactement le même format que ce que fait Selectour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de signer un CDD ou un CDI, à la fin. À voir. J'espère qu'on les aura convaincus durant cette année que c'est le métier qu'il faut faire. Et puis, dernière chose que j'ajoute aussi sur ce risque-là, c'est des classes BTS et des classes bachelor. Et donc, très souvent, on sait que plus en plus, les élèves ont envie de faire des études longues et d'aller jusqu'au master. Je dis ça parce que c'est des retours que j'avais directement pendant les entretiens de ce matin où des élèves nous disaient j'ai vraiment envie de faire cette alternance, j'ai envie d'aller chez vous, mais je vous préviens, moi, j'ai envie d'aller jusqu'au master. Donc, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, on est hyper enthousiaste. Mais je pense que c'est des super projets hyper excitants. Donc, c'est cool. Ce qui frappe aussi, si je peux me permettre, c'est qu'on a pas mal de profils parmi les 34 élèves de jeunes gens qui ont déjà suivi un BTS de tourisme et qui viennent se conforter en fait par une école pratique. Parce que c'est l'esprit en fait. Hein, l'école se veut pratico-pratique. Et la mise en œuvre effectivement des enseignements est immédiate. Quoi, en fait, hein. Sur un rythme d'alternance, je ne sais pas quel rythme a été choisi chez FCM, mais sur un rythme d'alternance qui semble convenir effectivement aussi aux employeurs, puisqu'ils sont 3 jours par semaine en entreprise et les deux jours restants à l'école. Ouais. En tout cas, c'est deux initiatives intéressantes pour justement essayer de fidéliser des jeunes candidats dans vos réseaux. Pour conclure, Valérie Bonnet, un hôtelier me disait récemment à propos de la pénurie de personnel, il me disait on a les salariés qu'on mérite. Sous-entendu, ça fait des années que finalement on ne fait pas grand-chose pour les valoriser et aujourd'hui la sanction est là. Il y a en effet un vrai boulot, un vrai travail à faire là. Oui, alors c'est un peu comme quand on dit on a les journalistes qu'on mérite ou etc. Bon, voilà. Alors, moi, j'ai envie de vous dire ce que moi, en tout cas, je ressens, c'est qu'il y a un problème de recruteurs. Et là, on voit, on va dire quelque part, les deux témoignages qui sont en plateau, l'enthousiasme d'être sur des segments d'activité qui sont enthousiasmants. Je me répète parce que, honnêtement, depuis 2 ans, on est plutôt en train de faire des choses pas très agréables quand on gère les ressources humaines dans les entreprises. Donc c'est vrai que d'essayer de valoriser et d'amener des nouveaux au métier, c'est quelque chose qui fait plaisir. Mais moi, ce que je constate, c'est que les managers, les middle managers ont besoin, le management a besoin d'être formé également. Parce que je pense qu'effectivement, je ne sais pas si on a les salariés qu'on mérite, mais je pense qu'il y a toute une culture nouvelle. Et évidemment, il n'y a pas que les jeunes, mais quand même beaucoup, qui ont besoin qu'on leur parle autrement et qu'on approche les choses autrement. Et souvent, il y a des managers qui n'ont pas été reformés à ça et qui sont décalés par rapport. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et comme nous tous, on a tous besoin, moi-même pour EDV, on s'est remis en question, le télétravail, la confiance, le mode projet, enfin tout ça, c'est pas que des mots, ce ne sont pas que des mots. Je pense qu'il y a vraiment une révision de tous les formats et ceux qui embauchent et ceux qui managent doivent aussi se remettre en question pour mériter les salariés qui, malgré tout, effectivement, viennent... Enfin, ont envie de venir dans notre secteur, hein, mais la question là, de l'apprentissage, c'est comment on les garde après, pas forcément dans l'entreprise, il faut jouer le jeu, c'est vraiment, voilà, il faut jouer collectif, la question c'est d'être attractif de façon globale, et après les salariés vont d'une entreprise à l'autre, ça c'est normal, mais on est quand même un des rares secteurs où on peut avoir une ascension à l'intérieur même d'une entreprise importante par rapport à d'autres secteurs, on peut commencer agent de voyage et être directeur d'agence, ce qui ne se retrouve pas partout.
Bon, en tout cas, les journalistes apprécieront votre douce remarque, Valérie. On arrive au terme de cet épisode. Elle a aussi dit que ce n'était pas forcément les plus compétents qui étaient restés. Hein. J'ai quand même noté ça aussi au départ. Je n'ai pas dit que c'était des mauvais journalistes, justement. On a ce qu'on mérite. Chacun, il y a Mais en tout cas, je vous remercie tous les trois. Merci d'avoir participé à cette émission. Je remercie également les internautes qui nous suivent chaque semaine. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. Et pour être prévenu en temps réel de toutes les nouveautés du programme des ateliers d'IFTM, je vous invite évidemment à vous abonner à nos réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à notre newsletter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.